Alors que la princesse fête ses 7 ans le 10 décembre, Gabriella de Monaco s'affirme de plus en plus comme une petite fille extravertie, selon son père, le prince Albert II. Joyeux anniversaire, la princesse Gabriella de Monaco fête ses 7 ans, ce vendredi 10 décembre, aux côtés de son frère jumeau, le prince Jacques. Tous les deux ont un caractère bien différent, selon les confidences de leur père. Le prince Albert II de Monaco a raconté dans les colonnes du People que si son fils Jacques est plus timide, Gabriella est quant à elle plus extravertie et a la langue bien pendue. Par ailleurs, la petite fille est très débrouillarde et n'attend pas l'aide de ses parents pour faire ce qu'elle veut. Cela s'est vu lorsque la princesse a décidé de se couper les cheveux elle-même, comme l'avait raconté sa mère, Charlène, dans un message sur Instagram. La coupe, franchement ratée, avait suscité l'hilarité de ses followers. Gabriella a décidé de se couper les cheveux seule, désolée ma Bella. J'ai fait de mon mieux pour arranger ça. Gabriella a très peu vu sa mère en 2021. La princesse Charlène a passé de longs mois en convalescence en Afrique du Sud, avant de rentrer à Monaco pour y suivre des soins. Sa fille s'est beaucoup languie de sa mère. Gabriella avait exprimé ce manque déchirant dans un adorable dessin montré lors de la fête nationale monégasque, où était écrit « On t'aime maman et tu nous manques ». Plus grand que découvrir les héritiers Grimaldi au balcon lors de la fête nationale, une grande bavarde qui aime chanter Gabriella de Monaco n'a aucune gêne devant les gens, explique son père, dans l'interview accordée à People. Cette grande bavarde est, d'après le prince Albert, un personnage qui aime danser et chanter, tout le contraire de son frère. Cependant, le couple princier souhaite que Gabriella, comme son frère Jacques, vive une enfance normale. Nous leur expliquons en des termes très simples ce qu'est le « devoir royal », explique le prince Albert. Nous n'allons pas leur bourrer le crâne avec les explications étape par étape de tout ce que l'on attend d'eux. Pour le moment, ce devoir royal consiste simplement à effectuer des saluts depuis le balcon du palais princier. Point. Bruno Bébert, Dominique Jacovide, autour de famille princière de Monaco, jumeau Monaco enfant interview anniversaire à propos de